de l'arrivée, sans du bar qui tente de sauver avec votre faible cul meilleur, la balle casse de l'air, trouvez l'ouverture, et sans ça, ça vous suffit maintenant. Mais voilà, si ça s'accroche, on pourra donner des sourds, avoir une cible de la soudage, à qui va se péter, et vainqueur du monde, à qui tente de revenir également avec pas le droit à la fin finale, vainqueur bleu, à qui est le meilleur, mais maintenant débordé par l'espace, et bien très vite, avec la Ferrer les 4 pieds, ça l'aide? Ah oui, ça lui aide énormément. C'est un jument qui est trop gros. Et comment c'est une. Puis elle avait bien couru, contrairement à ce qu'on a pu imaginer. Elle avait fait une faute dans les tournants il y a 15 jours à l'attelage. Mais elle me courait bien, je trouvais qu'elle me courait bien. J'étais content de l'avoir menée parce que j'avais drivé que pour la débuter à Vire. Et là, je me suis rendu compte qu'elle avait un peu de mal à tourner à gauche. Ce qui fait qu'elle a peut-être perdu le président à cause de ça. Parce que dans le président, elle courait bien. Et s'il n'avait pas été. Ça ne fait pas la faute d'un étonnement, je pense qu'elle aurait gagné. Qu'est-ce qui vous a incité aujourd'hui à la présenter des ferrés des 4 pieds? C'est pas la première fois. Elle non, c'est déjà... pas la première fois, c'est la deuxième. Mais pourquoi aujourd'hui et pas du tout? Et pourquoi aujourd'hui? Parce que c'était une belle course. 25 mètres devant vision intense, c'était la belle course, quoi. Donc c'est une jument qui va poursuivre dans cette catégorie. Est-ce qu'on pourrait l'avoir à... fin janvier? Ah, vous pensez déjà au cornouiller? Vous aussi? Je sais pas. Ça va voir comment elle va évoluer. L'autre jour, les vieux m'ont impressionné. Le jument Sébastien Garato, Roxane Griff, m'a impressionné de vitesse, je le lui ai dit d'ailleurs. Et peut-être encore un peu tendre pour courir contre ces vieux chevaux-là. Ça va, si elle est très en forme, peut-être. Mais bon, là on n'est pas, il y a encore 2 mois. Ouais, mais bon, plus chaud maintenant avec 200 000, qu'est-ce que tu veux? Elle a combien de 200? Bah oui. Ouais, mais travaillez beaucoup de Non, c'est bien, elle marche quand même 15. Hein. Ouais. Elle tirait pas par contre, pour le garde vous? Non, mais par contre, elle collait dur, vraiment. Tu changes quoi? Il met un piquant plus fort? Parce que là, j'ai déjà fait un peu sur les gouliers cette semaine. Mais... Ouais. T'as rien à faire, hein. Je pense que c'est dans l'aile. Hein. Ouais, parce que c'est marrant, tu te dis pour finir, traverser la piste, mais non. Non, le bloc le suit, puis ouais. Bon, bah, tu vois. Franck Vodka, dans le dernier tournant, t'as dû y croire? Ouais, c'est vrai que dans le dernier tournant, j'étais assez confiant. Et elle m'a embêté un petit peu à partir à droite tout le parcours. Par contre, elle était mieux pour finir, mais elle a pris un uppercut quand elle a vu la jument de Joël Allais la doubler. Mais c'est bien, elle n'a pas démérité, c'est déjà pas mal. Ouais, à ce niveau, on peut dire que c'est une super performance. Bah ouais, c'est une bonne jument. Elle avait déjà bien fait dans le président la première fois montée. Là, elle répète, non, c'est bien, c'est de bonne augure. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la performance de vision intense? Rassurante, hein, le hit était moyen, donc la course très bonne. Elle a manqué les 50 derniers mètres, normal, parce que donc, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de terrain à combler. Et puis bon, elle a fait du rentrer attelé gentiment, donc non, c'est très bien, rassurée. C'est considérable quand même. Oui, les 500 derniers mètres étaient très, très bons, comme à son habitude. C'est toujours la meilleure? Bah, j'espère.